Bonjour, ici Monseigneur Thomas Dowd, l'évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie pour l'Église diocésaine. L'année dernière, j'ai eu la chance pour la première fois de vous souhaiter un joyeux Noël comme nouvel évêque de ce beau diocèse. Pour cette année, j'aimerais vous offrir un peu ma rétrospective sur l'année que nous avons vécue ensemble. L'année a commencé, bien sûr, par un coup dur. Peu après mon arrivée, la province a été obligée de commencer une période de lockdown avec une ordonnance de rester à la maison. Cela a duré plusieurs semaines et a recommencé quelques semaines plus tard pour une période encore plus prolongée. Beaucoup m'ont partagé leurs inquiétudes et leurs peines devant cette situation. Mais je veux saluer la dévotion de nos fidèles, de nos prêtres et surtout de nos bénévoles qui ont fait des efforts et des sacrifices importants afin de garder nos églises ouvertes le plus possible et en sécurité. Nos églises sont demeurées des maisons de prière grâce à eux et j'en suis très reconnaissant. Un autre coup dur a été la découverte des restes au cimetière d'une ancienne école résidentielle à Kamloops. Cela a été un grand choc pour tous les gens de notre pays et les gens de nos églises. Malgré la colère et la confusion des gens, ça a été aussi un moment de vivre la compassion et le dialogue. J'ai passé mon été à relire le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation et à écouter les témoignages des gens de notre diocèse qui ont vécu l'expérience des écoles résidentielles. La vérité et la réconciliation sont des valeurs parfaitement cohérentes avec la foi catholique. Je m'engage à les vivre et j'invite nos diocésains à marcher ensemble dans cette voie. L'année 2021 a été aussi un temps de joie pour moi comme votre évêque. J'ai eu la chance de visiter plus de 50 églises de notre diocèse. J'ai fait au moins une douzaine de célébrations de confirmation. L'été dernier, j'ai pris une portion de mes vacances pour faire une grande tournée dans le nord de l'Ontario, avec, par exemple, en visitant les autres diocèses. Notre diocèse a vécu la joie de l'ordination d'un nouveau prêtre, le père Chadwick Franklin. J'ai eu la chance de visiter plusieurs nations autochtones, et j'ai commencé mon apprentissage de la langue Ojibwe. J'ai commencé à faire des visites de plus longue durée dans nos paroisses et j'ai prêché des retraites paroissiales, quelque chose que j'aime tellement. Je suis vraiment un professeur dans mon cœur. C'était une année assez remplie. Je veux prendre ce temps pour dire un grand merci à tous les membres de notre famille diocésaine et surtout à nos prêtres. 2021 n'a pas été une année facile parfois. Saviez-vous, par exemple, que plusieurs de nos prêtres ont perdu un être cher cette année, incluant à cause de la COVID? Plusieurs viennent de d'autres pays, mais ils sont restés avec nous afin de servir notre peuple. Si vous voulez me faire un beau cadeau de Noël cette année, je vous demande de soutenir nos prêtres et de les encourager. En mon nom personnel, comme évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, et au nom des émissions de l'Église diocésaine, je désire remercier nos câbleaux distributeurs. Ils nous donnent la possibilité de vivre ce moment ensemble. Je veux exprimer ma gratitude. À vous tous, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2022. Alors, merci beaucoup, Monseigneur, de ce beau message de Noël. Et maintenant, Mijou et moi avons invité plusieurs personnes à parler de leurs souvenirs et de leurs souhaits de Noël. Et Mijou, c'était le fun de faire ça. Oh, absolument, oui. Puis on a une belle petite répartition sur Sainte-Marie, North Bay, puis évidemment le Sudbury aussi. Alors, écoutons leur message. Que Dieu le Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Dans la nouvelle année qui s'annonce, je vous souhaite bien sûr la santé, la prospérité et la joie, mais aussi
Je vous souhaite de participer à un petit groupe de partage et de vivre une fin de semaine Curcio. Des cadeaux de vous pour vous qui valent leur pesant d'or. Joyeux Noël et bonne année. Bonjour, ici Gérard de la Jeunesse, l'Église de Cézanne. En cette saison de Noël, il me fait plaisir de me joindre avec mes autres amis de l'équipe Église de Cézanne pour souhaiter à tous nos spectateurs un très joyeux Noël. J'espère que vous serez comblés de toutes sortes de bénédictions, des bénédictions de rencontres, virtuelles peut-être, mais des rencontres, des bénédictions de famille, des bénédictions de bonnes conversations, des bénédictions de repas partagés, mais surtout aux bénédictions de rencontrer Jésus. Alors, joyeux Noël de la part de Gérard de la Jeunesse. Hello, everyone. I welcome you to the Diocesan Center. I also want to wish you a very merry, happy Christmas, a happy New Year, joyeux Noël and a bonne année. Bonjour, je suis Monique Lapointe-Boyer. J'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne nouvelle année. Hi, this is Monique, wishing you a very merry Christmas and especially a happy New Year. Je suis Roch Martin et je tiens à vous offrir un très joyeux Noël. Et en même temps, vous souhaitez une année bénie, comblée de toutes les belles choses que le Seigneur a à vous offrir. I'm Roch Martin, and I'd like to offer to all of you and to all your loved ones a very Merry Christmas and a very blessed New Year. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très belle année. Joyeux Noël, bonne année. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année. Hi, my name is Melissa. I'm wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mes frères et sœurs dans la foi, que cette fête religieuse soit un temps d'expression de notre foi en Jésus-Christ. Que vos belles prières de Noël soient entendues et exaucées afin que votre communauté vive l'expérience de la famille de Noël. Que Dieu vous bénisse et apporte la paix en vos demeures. Dear friends, brothers and sisters in Christ, may this festive season be an expression of our faith in Jesus Christ, our Savior. May all your prayers during this time be for your community an expression of God's love for each and every one of you. May God bless you and bring peace to you in all your endeavors. God bless. Je m'appelle Jean-Paul Jodicœur, JP, et peut-être vous reconnaissez cet ange. On l'avait dans nos églises autrefois, et on déposait de l'argent dans la chose, et la tête nous disait merci. Donc aujourd'hui, en célébrant et en nous préparant à célébrer la fête de Noël, je veux simplement vous dire merci d'être là à l'écoute et je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne, heureuse et sainte année. Et I wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. And today, like the angel says here, thank you very much for who you are and for what you're doing. And may God bless you. Shalom. Donc, moi, mon meilleur souvenir d'enfance de Noël, c'est lorsqu'on passait du temps en famille chez mes grands-parents. Quelque chose de quand même assez unique chez nous, c'est que j'ai des cousines qui sont mes sœurettes. Donc, nos pères sont des frères et nos mères sont des sœurs. Donc, on partage les mêmes grands-parents paternels et maternels. Et encore plus que ça, nos grands-parents étaient des voisins en campagne. Donc, lorsque j'étais jeune à Noël, c'était vraiment un temps de famille et ça l'est encore. Mais on pouvait rester chez un des grands-parents, juste soudainement décider de marcher ensemble chez d'autres grands-parents, visiter la famille du côté paternel et retourner à la fin de la journée chez les grands-parents maternels et voir la famille là. Donc, mon meilleur souvenir d'enfance, vraiment, c'était de marcher d'une maison à l'autre et de juste prendre du temps de famille ensemble pendant plusieurs journées. Pour moi, j'ai tellement de beaux souvenirs des fêtes et du temps de Noël, des réveillons, des réunions de famille, mon père au piano avec mes oncles à la guitare, tout le monde chantait, il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Puis je pense à mon enfance, plus ou moins, là,
Mais je vais m'en tenir à un premier souvenir de Noël. J'avais peut-être 3 ans et demi. J'étais très jeune. On s'en allait à la messe de minuit, puis pour moi, c'était du nouveau, ça. C'était pour voir la crèche de Noël avec le petit Jésus, puis entendre les cantiques puis les chorales. Puis j'étais pas mal excitée parce que je pouvais rester debout tard. Et en plus, on ouvrait tous nos cadeaux après la messe de minuit, qui était la coutume. Et puis, on est parti toute la famille en véhicule, puis mon père, tout d'un coup, il a arrêté, puis il dit, « Je dois retourner à la maison, j'ai oublié mon portefeuille. » Alors, évidemment, il est retourné pour mettre nos cadeaux en dessous de l'arbre. Mais en revenant après la messe, je dormais dans le véhicule. Puis ma mère m'a réveillée en pointant du doigt et en disant, « Regarde, 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 regardez les traces du traîneau du Père Noël sur le toit de la maison. » Puis, oh mon Dieu, j'étais tellement excitée. Je peux... Et c'est vrai, on pouvait voir 2 traces, là, tu sais, comme si c'était le traîneau. Puis je peux encore ressentir l'excitement. Puis dans ma tête, je peux encore voir les traces sur le toit. Puis ma soeur, puis moi, on en parle souvent. Puis elle aussi se souvient aussi de ce soir-là. Alors, y avait-il vraiment des traces sur le toit? Alors, mais j'avais vu le petit Jésus dans la crèche. Alors, oui, d'après moi, j'avais vraiment témoigné la venue du Père Noël. Alors, voilà mon souvenir. Alors, joyeux Noël, tout le monde. Durant mon enfance, j'aimais beaucoup aller dehors la veille de Noël et mettre de la poudre magique pour les reines du Père Noël afin qu'ils puissent trouver ma maison. Et j'aimais aussi préparer du lait et des biscuits pour le Père Noël et les reines. On fait la plupart de ces traditions encore aujourd'hui. Je demande toujours de mes parents de me donner un calendrier de Noël avec des chocolats. Quand j'étais jeune et encore aujourd'hui, c'est une tradition que je continue encore maintenant. D'habitude, le matin de Noël, on prépare des chocolats chauds pour ma famille. On descend en bas pour ouvrir nos cadeaux. Et encore aujourd'hui, je demande qu'il y ait des... Ou, je veux des cadeaux du Père Noël encore aujourd'hui. Et moi et ma soeur, on jouit beaucoup de nos boîtes de Noël, plus que nos cadeaux actuellement. donc, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui. Aussi. Alors, pour moi, mes meilleurs souvenirs, c'est par rapport aux chants aussi, puis la musique, puis les cantiques de Noël. J'ai souvenir de 2 messes. Une à Sault-Sainte-Marie à la paroisse Saint-Ignace qui n'existe plus. C'est une église qui a été fermée. Mais je me souviens d'une messe d'enfants. Mes enfants étaient plus jeunes. Puis c'était avant de déménager ici à Sudbury en 1999. Alors, mais je me souviens que la messe était de toute beauté. Les chants étaient de toute beauté. Puis je suis allée voir la directrice de chant après. Puis j'ai éclaté en larmes parce que je trouvais ça tellement, tellement beau. Alors, c'était vraiment des moments de joie puis de paix. Puis j'ai vécu une messe semblable ici dans la vallée, à l'église Sainte-Marguerite-Youville. Puis encore une fois, c'était une messe d'enfants. Puis j'avais la chance à ce moment-là, si tu veux, d'avoir ma soeur qui habite en France, qui était ici avec toute sa famille. Puis c'était leur premier Noël. Puis encore aujourd'hui, ils appellent ça leur Noël magique parce que je pense qu'on a bien démarré leur visite ici au Canada en allant à la messe d'enfants. Puis c'était de toute beauté, le chant, les enfants qui participaient, les anges, ceux qui dansaient, la crèche vivante. Alors de toute beauté aussi. Par rapport au chant encore, en 2016, l'année que ma mère est décédée, je me souviens, à ses funérailles, mes enfants et ma nièce et ma petite nièce avaient chanté à sa messe funéraille le « Alléluia » de Leonard Cohen.
Ma mère, elle aimait beaucoup ce chant-là. Elle, sa version favorite, préférée, c'était Katie Lang qui chantait. De toute façon, Noël suivait, le Noël 2016, mes enfants étaient tous rassemblés ici. C'était après la messe de Noël, ou la veille de Noël, le 24. Et de façon spontanée, j'entendais mon fils en bas qui jouait un peu sur le piano. Puis tout d'un coup, j'entends mon autre fils, Justin, qui sort une guitare. Puis ensuite, mon gendre qui sort le violon. Puis ma fille qui chantait aussi. Puis on commençait à chanter le Alléluia. Et ça, pour moi, c'était... Je ne pouvais même pas chanter. J'étais remplie de joie. Mais oui, c'était de joie, la paix. Mais pour moi, ça, c'était des moments vraiment précieux. Et c'est un peu ce que je souhaite à nos téléspectateurs, téléspectatrices, que votre Noël soit rempli de joie et de paix. Et de l'amour. Il faut ajouter de l'amour là-dedans aussi. Noël est de notre jeunesse. C'était vraiment de notre tête. C'était des tourtières, des galettes de raisin, des chansons à répondre avec nos oncles, tantes, cousins et cousines. Et on célébrait deux Noël et deux jours de l'an. Le 25 décembre, c'était les cadeaux, mais le 7 janvier, c'était le Noël ukrainien, et puis le jour de l'an, le 14. On gardait toutes nos décorations, nos lumières allumées jusqu'au milieu du mois de janvier. On était une petite famille, on était seulement deux enfants, et puis c'était des cabbage rolls, des poulets, une soupe spéciale qu'ils faisaient, c'était appelé pichinette, ça. Avec une sorte d'avoine. Et puis, il y avait du chant, ils chantaient en ukrainien, de toutes ces choses-là. Et puis, on disait Hristos Rozdayashi, ça veut dire joyeux Noël en ukrainien. Noël a toujours, premièrement, commencé avec la messe de minuit avec nos enfants, même quand ils étaient petits, la messe de minuit avec nous autres. Après ça, on avait deux de nos petits-enfants, un arrière-petit-enfant, qui ont été le Jésus dans la crèche pour la messe de Noël, qui est très spéciale dans notre cœur. Le Boxing Day, pour à peu près 30 ans, on avait un sleigh ride avec les familles. Il y avait du chant, beaucoup d'air dans la neige, suivi de hamburg, de hot dog. Maintenant, c'est spécial. Et quand nous sommes très ensemble, tout ensemble, nos enfants ont maintenant pris la reprise de certaines traditions. Joyeux Noël et bonne année de nous et les nôtres. Mon meilleur souvenir de jeunesse de Noël, du temps de Noël, c'est quand on y allait visiter mes grands-parents paternels, qu'on faisait juste une fois par an parce qu'ils demeuraient à 10 heures de route. Ça, c'était une grande occasion pour nous. On était tous rassemblés, les oncles, les tantes, cousins, cousines, puis discuter de ce qui avait arrivé dans la dernière année, tout en attendant le temps de départ pour la messe de minuit. Puisque mes grands-parents demeuraient tout près de l'église, nous marchions, la majorité de nous marchons vers l'église. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour nous, tous les jeunes, c'était d'attendre pour voir qui était pour s'endormir durant la célébration, puis pouvoir rire d'eux une fois arrivés de retour à la maison. Aussi, une fois que la célébration finit, on y allait à la maison. Puis puisqu'on était très nombreux, puis on ouvrait les cadeaux un à la fois pour que tout le monde observe chacun ouvrir les cadeaux, ça pouvait prendre des heures puis des heures. Et quand le temps est arrivé, tout épuisé, on y allait se coucher. Puis même à ce moment-là, même tout épuisé, on se réveillait quand même assez tôt le matin pour avoir le déjeuner vers 8-9 heures. Alors aujourd'hui aussi, après les souvenirs et les souhaits que les gens vont exprimer, on finit l'émission de Noël de façon un peu nostalgique et mélancolique. Mijou et moi disons au revoir à Riley, notre technicien, Harper, notre producteur et éditeur de vidéos de l'Église diocésaine. Nous voulons vraiment le remercier pour sa patience, sa passion pour le travail qu'il a fait pendant les 5 dernières années et pour son dévouement à l'Église diocésaine.
mais nous sommes convaincus que son futur va lui apporter du succès et de belles aventures. Alors, on va écouter, Mijou, les derniers mots de Riley, mais si tu voulais ajouter quelque chose. Moi, je veux juste dire que j'ai bien apprécié, Riley, ton esprit critique qui nous a aidés à vraiment cheminer ensemble. Il y avait, tu sais, ton expertise nous a permis de grandir aussi et d'évoluer avec la qualité de nos émissions d'Église diocésaine. Mais c'était super plaisant de le faire ensemble comme équipe. Alors, un gros et grand merci, Riley, puis bon succès dans toutes tes aventures. Oui, absolument. Alors, Pax Tecum, Riley, joyeux Noël et on t'écoute. Yolande, Mijou, merci pour ces beaux mots. Et oui, c'est vrai. C'était avec beaucoup de chagrin que j'ai dû annoncer ma départ au début d'octobre, pour le mois de décembre. Car j'ai travaillé comme éditeur pour l'Église diocésaine pendant 5 ans. Puis c'était 5 ans remarquables. J'ai toujours eu pour but d'aider l'Église diocésaine et le diocèse même à améliorer leur présence sur les médias sociaux et sur l'Internet. Malgré les difficultés, je suis très content de voir notre compte YouTube réussir et de voir le nouveau développement d'une compte Facebook pour l'Église diocésaine. En fait, il faut aussi remercier notre audience à être ouvert à ces changements, car parfois les changements ne sont pas faciles. En fait, après ma départ, il y aura certainement quelques changements, c'est certain. Mais ce qui ne changera pas serait l'esprit de notre équipe, l'esprit d'Église diocésaine. Grâce à notre équipe, notre audience, nos invités, notre diocèse, c'est vraiment eux qui mènent le cœur à notre contenu. Et ça, c'est quelque chose qui ne va jamais changer, qui n'a pas changé depuis 40 ans de nos émissions. En fait, j'espère de voir l'Église diocésaine continuer à s'épanouir et d'appuyer les catholiques francophones de notre région. Membre du diocèse de Sault-Sainte-Marie, je vous dis au revoir et je vous souhaite la bonne chance dans ces temps de fête et dans la nouvelle année. Continuez à transmettre le parfum et l'espérance de l'Évangile dans vos vies de tous les jours. Au revoir et à une prochaine. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile annonçant la paix, elle mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures, parole qui nous rassure. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres.
notre espérance. Nous croyons, nous préparons le chemin pour l'enfant divin. Il est justice et sauveur du monde, en nous la joie surabonde. Attente joyeuse du peuple de Dieu.